Nous devons poursuivre nos efforts de réforme pour la dématérialisation des procédures. Parce que sinon, on va perdre du temps, on va parler de Zleka, on va signer les accords et les mauvaises pratiques vont plomber toute cette volonté continentale. Il faut donc déjà, au niveau de chaque État, que les réformes soient engagées pour fluidifier les échanges. Il faut aussi que les États travaillent à renforcer les infrastructures de communication, puisqu'on ne peut pas commercer si on n'a pas de route, si on n'a pas de chemin de fer entre nous, si les ports ne fonctionnent pas et si les frontières ne sont pas fluidifiées. Mon pays a fait le choix d'une économie ouverte dans laquelle le secteur privé est le principal moteur de la croissance, l'État jouant son rôle de régulateur et intervenant là où le secteur privé n'a pas de valeur ajoutée. Je crois que c'est intéressant et important quand nous parlons de la zone de libre-échange économique et que nous parlons en même temps du sport. Quand nous parlons du sport, c'est en Afrique intégrée. Nous connaissons tous le nom de Mo Salah, nous connaissons Sadio Mané, nous connaissons Onana, mais nous ne connaissons pas en tant qu'Africains ce que produisent nos pays. Nous ne connaissons pas en tant qu'Africains quels sont ce que nous pouvons échanger entre nous. Nous ne connaissons pas en tant qu'Africains quelles sont les frontières et comment les traverser, comment aller vers l'un et vers l'autre. Et je pense que c'est vraiment ça que la Zleka veut faire. La seule voie de nos pays de réussir une intégration à des conditions de compétitivité, c'est notre capacité à investir dans la recherche-développement pour accroître la complexité économique, la compétitivité des produits et la création de la valeur ajoutée. Il nous faut un ferme engagement et des politiques volontaristes qui tiennent compte des besoins du secteur privé et des autres investisseurs potentiels, notamment en termes de facilitation de l'investissement. Nous sommes engagés à soutenir le Sénégal, à optimiser tous les avantages offerts par ce nouveau marché continental, et dans le cadre du plan Sénégal émergent.